guys. Et regardez, genre, bon là je ressemble vraiment à rien, guys. Ça fait depuis archi longtemps que je n'avais pas fait. Je parle trop en fait. Les gars, j'ai pris une jupe, une robe genre, et en mode épinée pour faire une jupe ballon. Et genre j'aimais trop, et là je suis up, genre je me pose un peu des questions. Parce que j'ai déjà mis une demi-heure à la faire, enfin à la faire. Je suis grave en retard, faut que j'y aille quoi. Guys, on se retrouve, c'est la première journée de mes 6 mois de vacances. Bon là je viens de me boxer un petit colis sur TikTok. Je vais essayer de pas faire tomber parce qu'il y a des trucs ouverts. Et j'avais trop envie, dedans il y avait des piercings en gros. Et j'avais trop envie de les changer avec vous. C'est un petit colis zag et dedans. Oh mais j'avais pas vu. J'ai un petit tote bag en plus. Déjà le colis était so cute avec du papier de soie rose et tout. Du coup j'ai cette bague mais malheureusement elle est trop grande pour moi. J'ai vraiment le... Là il y a un petit écart, du coup je me suis dit peut-être que c'est possible de resserrer cet écart genre. C'est à dire les meufs qui mettent ces bagues, elles ont des doigts énormes parce que j'ai pris la plus petite taille quoi. Tout même sur mon pouce ça ne tient pas genre. Je voulais trop une nouvelle bague, je suis une fan des bagues là, je n'ai pas assez. Après j'ai pris ce magnifique, trop contente ça, vraiment je suis trop contente de l'avoir pris. Bijou de main là, je trouve que ça rajoute grave un petit truc genre. Et après j'ai pris ce petit jonc. Il y a aussi en argenté, j'ai hésité. Parce que je me suis dit vraiment, cet été là, je vais mettre plein de joncs sur mes bras. Et ça va être incroyable pour accessoiriser mes outfits. Et après, j'ai pris 3 petits piercings. Déjà, trop satisfaisant, genre c'est un truc de cellophane un peu. On va faire un petit zoom sans que je perde les piercings. On a celui-ci, il y a celui-ci et celui-ci. On se retrouve dans ma petite salle de bain. Je me lave les mains, désinfecter les piercings. Putain, je sais même pas si je vais réussir à l'enlever celui-là. Mais vraiment, ça me dégoûte, j'ai l'impression qu'il a changé de couleur. Je me rappelais pas qu'il était vert le piercing. Ça m'énerve. Est-ce que je suis bloquée avec ce truc à vie? Oh, mais ça fait trop mal au dos en plus. Ok, je suis tellement contente. Ça change tout. J'ai réussi en fait. Je me suis rappelé que la meuf qui m'avait fait mes piercings pour les visser et tout, elle avait des gants genre en latex. Et moi j'ai mes gants de coiffure, du coup je les ai mis. Et regardez, genre déjà lui, trop beau. Après là, j'ai mis lui. Et le troisième, bah faudrait que je me fasse un troisième trou en fait. Là je pense que je vais aller manger un petit truc, me poser tranquille. Et je sais pas encore quoi faire. Je resterai à vie une touriste quand il y a des trucs comme ça en fait. Genre, la vue est parfaite. Yes! J'ai reçu un colis. Je ne savais pas qu'il arrivait maintenant. Je suis trop contente. C'est la robe que je vais mettre pour mon anniversaire normalement. C'est la part de Pervert. C'est une marque russe, mais magnifique. Il y a des trucs incroyables. Là, j'avais pris cette robe tellement slay. Genre, c'est une longue robe nuage comme ça, genre un peu ballon. Genre, est-ce que vous voyez, genre, je m'assois par terre, je suis une princesse. Genre, je suis une princesse. Et regardez, genre, comment c'est un slay, il faut absolument que je fasse un shooting avant de partir en Asie avec cette robe. Et après, j'ai eu ce petit bonnet. Je ne sais toujours pas, comme je l'ai dit dans ma story Insta, je ne sais toujours pas si c'est dans quel sens faut le mettre. Je l'avais vu. Oh, c'est trop mignon. En fait, leur emballage, c'est genre plein de commentaires Insta, genre... Bon après c'est écrit en russe donc je comprends rien. Mais c'est trop slay. Je l'avais vu sur Maina. Et j'étais là en mode. Déjà la robe, enfin les prix de ce site c'est une dinguerie. Et j'étais là en mode non mais c'est pas possible. En plus c'est eux qui m'ont contacté, c'est pas possible qu'ils veulent me gifter à moi des trucs genre. Et du coup de base j'avais choisi la robe et je me suis dit bon. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils sont vraiment très gentils. Du coup je leur ai demandé est-ce que je peux avoir ce petit truc en plus et tout. Vu que je l'avais vu sur Maina et j'étais là en mode oh ça trouve. C'est slay 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 slay. On dit. Mais bien sûr qu'il y aura. Bien sûr qu'on te donne même le petit bonnet. Voilà, je sais pas encore comment le mettre. Enfin, faut que je... Je pense vraiment le mettre avec un manteau en mode une écharpe et tout. Bon, là, je ressemble vraiment à rien, guys. Vous pouvez pas... Non, mais vous pouvez pas... Voilà, vous pouvez pas prendre ça en compte. Mais je suis sûre que je vais pouvoir le slay. Il est trop mignon. J'adore, je crois que c'est 90% cachemire et le reste... Oui, non, 90% laine et 10% cachemire. C'est extrêmement doux. Mais genre, c'est vraiment la robe... Je pouvais pas savoir comment je suis contente. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que j'ai mangé un truc bizarre. Mais tout à l'heure, du coup, je devais aller récupérer un truc dans le dressing d'une de mes agences d'intérim pour puisque j'ai été bookée sur le show Louis Vuitton. Donc j'y vais 35 minutes de trajet et tout. De base, je devais aller récupérer un manteau noir. Ah, j'ai mal au ventre. Et genre sur le trajet, un moment, j'étais en train de mâcher tranquillement mon chewing-gum et tout. J'étais à 2 minutes du truc. Et là,
d'un coup, genre envie de vomir, mais de bâtard. Genre vraiment, j'étais là en mode je vais vomir, c'est sûr. Où est-ce qu'il y a une poubelle? Je vais vomir dans la rue, c'est pas possible. Genre là, ma bouche qui commence à humidifier de ouf. Hein. Vous savez, le moment où vous allez vomir et du coup, il y a plein de salive qui remonte dans votre bouche et tout. Plein de salive. Moi, j'avais mis la salive et genre vraiment ma bouche était noyée dans l'eau. Après c'est passé. Mais genre là j'ai un peu mal au ventre et tout. Sauf que à 17h j'ai une répétition pour... je fais un truc trop fun mais je peux pas vous filmer. Genre j'ai signé une clause de confidentialité de bâtard. Mais c'est pour un show Hermès. Je peux rien vous dire de plus. Du coup faut que je me prépare. Guys, regardez comment je suis trop bien en vrai, genre avec un outfit, manteau et tout, je trouve ça trop cute. J'aurais trop dû mettre dégainer les lunettes de soleil, genre lunettes de soleil ça fait trop play. Et du coup voilà, mon outfit tout noir, j'ai mis masse de bijoux parce que je me sentais un peu nue quoi. Let's go. Hello guys. Aujourd'hui je suis de bonne humeur, il fait trop beau. Et ce matin, j'ai décidé de faire des pancakes. J'ai trop envie de faire des baby pancakes. Comme Kylie Jenner a fait à ses enfants. Regardez comment ils sont mignons. Ça faisait depuis archi longtemps que je n'avais pas fait. Et d'habitude, j'en fais genre deux moyens. Et là, j'en ai fait 6 bébés. C'est trop mignon. Et aussi, je voulais trop goûter. Bon, je pense que j'ai pas trop mangé. Hier, j'ai préparé des trucs genre pudding aux graines de chia. J'ai mis du lait végétal. Et ça fait un petit truc. Comme ça genre. Mais je trouve en fait mes graines de chèvre sont un peu vieilles, du coup ça a pas bien gonflé. Mais bon c'est pas grave. Vous voyez ça fait genre une espèce de... Ouais non elles ont pas bien gonflé mais ça fait une espèce de gélatine. Du coup je pense que je vais les utiliser pour me faire un masque. J'avais vu Kéline faire un masque de graines de chia en mode c'est un masque liftant. J'avais trop envie d'essayer. Ça a pas trop de goût quoi. Mais trop contente. En ce moment le matin j'ai un peu là en mode parce que je veux manger, genre j'ai faim, je crève la dalle, mais genre y'a rien qui me donne envie. Donc là il est 10h, mon programme de la journée. Aujourd'hui je dois juste absolument... En fait, il y a 2 semaines j'ai reçu masse de colis. Et il y en avait certains, je devais faire des publis. J'ai filmé un énorme haul, mais genre il est resté dans mes brouillons quoi, je l'ai jamais monté et tout. Et du coup faudrait que je fasse les contenus. Bon bah bref. On se retrouve après petit déjeuner. Regardez une vidéo de Arcanum Life. C'est genre une meuf qui parle de manifestation et tout. La vidéo elle dure 1 heure. Ça fait 30 minutes que j'écoute. Elle a toujours pas commencé. Genre elle fait que parler. Genre parler. Mais genre en mode. Pas en mode elle parle, elle t'explique ce qu'il faut faire. Genre elle parle. Elle parle trop en fait. Elle parle trop. Et genre. Je suis là en mode mais ta vidéo elle dure 1 heure. Et en mode elle dit rien de... Pas elle dit rien de constructif mais... Voilà quoi, enfin bref. Vu qu'il fait beau là j'ai ouvert toutes les fenêtres de ma maison. Genre toutes, grandes ouvertes. Pour tout aérer. Genre par exemple ma salle de bain, il n'y a pas de fenêtre dedans. Là ça fait trop du bien parce que je sens qu'elle est aérée ma salle de bain. Enfin, que l'air est nouveau et tout. Et ça fait trop du bien. Genre vraiment là le soleil. Oh, je pense... Je vais être tellement de bonne humeur en Asie. Tellement il va faire beau tout le temps. Ça va être incroyable. Vous savez qu'on a même pas checké genre la saison des pluies et tout. Après je pense pas que ça soit maintenant. Mais je crois que ça doit être en novembre ou un truc comme ça. Mais j'ai vraiment trop hâte. Hier j'ai commencé à faire un petit PowerPoint. Oh, vraiment la honte de faire des PowerPoint pour ces voyages. Mais en fait vu que c'est Mathéo qui a un peu tout recherché, organisé pour l'instant. Moi je comprenais rien. Du coup j'ai commencé à me faire un petit PowerPoint pays par pays. J'ai mis la carte et j'ai pinné tous les endroits où, enfin toutes les villes en tout cas où on a réservé pour l'instant. Et je pense que je vais faire une slide par ville en mode ok on va dans cette ville, on dort à cet endroit pour les endroits où on a réservé. Et comme ça c'est grave clair dans ma tête. J'ai trop hâte genre... Je vois que les stories de Manon genre aux Philippines et les gars ça a l'air d'être un paradis sur terre. Je pense que quand je vais revenir à Paris je vais être pas bien. Je vais être pas bien du tout. J'avais dit à Mathéo non mais moi de toute façon pendant mon voyage je vais pas prendre beaucoup de skincare. Genre je vais prendre une seule crème et tout et c'est tout. En fait là j'ai trop envie de prendre plein de trucs. Genre j'ai plein de nouveaux trucs du coup j'ai envie de prendre plein de trucs. Bref. Oh my god guys, today it's my birthday. Moi d'habitude j'aime pas mon anniversaire. J'ai le blues des anniversaires. Birthday blues. Mais bon là je sais pas, je suis de bonne humeur. Ça va être une mission là, je vais devoir plaquer mes cheveux en queue de cheval. Je vais faire ça, je vais faire ma skincare et tout. Et j'aimerais bien tester les petits produits Herborion que j'avais récupéré. Vous avez gifté à la soirée de lancement, enfin comment ça s'appelle, à l'event genre. Vous avez passé la nouvelle bébé crème qui vient de sortir. Un bébé concealer genre. Et le skin therapy là. Skin therapy que j'ai toujours rêvé de tester, faut que je le teste d'ailleurs.
Du coup voilà, j'ai vraiment envie de tester celui-là. Et voilà, j'ai trop le seum, enfin, faut que je m'habille en mode hôtesse quoi. Et on va passer toute la journée dehors, donc il faut que je m'habille bien chaud et tout. Il est quelle heure là? 8h48 et je dois être là-bas à 11h. Donc faut pas non plus que je prenne trop la confiance, parce que moi là dans ma tête j'ai grave le temps. J'ai sorti ma planche à repasser parce que je devais repasser le pantalon que je porte là. Et je m'étais dit bon, je vais faire un peu de repassage et tout. Mais d'abord prépare-toi ma belle, prépare-toi avant de vouloir faire des grands projets. Déjà je vais brosser mes cheveux, après je serai obligée de passer un petit coup de sur mes cheveux, non. Ça va faire bizarre, ils vont être ondulés. Mais je suis assez satisfaite, genre là je les ai laissés naturels. En mode j'ai rien fait pendant 2 jours. Et bah, ils ont pas la plus belle forme, mais au moins ils sont pas, y a pas de frise aussi genre. J'ai parlé mes cheveux en deux, hop, ça me gratte là. Moi j'aime bien garder les mèches de devant comme ça, hop. C'est comme ça que j'ai appris en fait, même si je le fais jamais. C'est comme ça que je voyais des tutos moi sur TikTok avant. Et maintenant on va tout simplement attacher les cheveux. Je sais pas à quel moment je suis censée mettre du gel. Est-ce qu'à un moment je suis censée mettre de l'eau genre, je sais pas. Hop. Bon, je vous reprends quand j'ai fini parce que là sinon ça va durer une demi-heure. Oh my god guys, j'ai enfin réussi. Genre no joke, je pense que j'ai passé 1 heure, make-up compris. Donc j'ai passé 45 minutes à faire mes cheveux. Et franchement ça va, là je suis satisfaite. J'espère que ça va pas bouger, juste ma queue, c'est mes cheveux ondulés quoi. Donc c'est pas le plus beau truc du monde je trouve, mais bon c'est bon, là j'ai assez donné. Juste ce sourcil il commence vraiment à m'énerver, faut que je m'épile les sourcils. Mais j'ai eu le temps de rien faire au final. Donc voilà, je vais partir pour ne pas être en retard. Mais je dois remettre du rouge à lèvres rouge, ça j'ai vraiment pas hâte. Bref, on se retrouve demain je pense. On se retrouve, c'est le lendemain. Et franchement je suis dégoûtée, je voulais trop voir Kylie Jenner. Je n'ai pas vu Kylie Jenner, par contre j'étais à 1 mètre de Anna Wintour. J'ai fait entrer Anna Wintour et tout, donc ça c'est plutôt stylé. C'est bien passé, à part qu'il faisait un peu froid, mais bon c'est pas grave. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Attendez, normalement j'avais noté hier soir. Je me suis fait une petite to-do. Répondre à mes mails et tout. Là j'ai déjà commencé pour mon petit déj, mais il faut que je finisse. J'ai répondu aux mails importants. Après il faut que je sorte poster un colis Vinted. Faut que je retrouve l'article que je dois vendre parce que je ne sais pas où il est. Et faire mon retour Inuiki parce que du coup, je sais pas si je vous avais montré à vous, mais il y a Inuiki qui m'a envoyé une autre paire de chaussures. Cette fois-ci je me suis dit, vu que c'est bientôt l'été, on va plutôt prendre une paire été. Et du coup voilà, et j'avais reçu la paire, sauf que en gros, pour vous expliquer, la paire que j'avais prise, que j'avais choisie la première fois, j'avais pris du 39 parce que j'avais essayé le 38 au printemps et genre c'était vraiment rikiki, sachant que moi je fais du 38 et là le 39 genre je trouve il est un peu grand, enfin mon pied il sort un peu de la chaussure quoi quand je marche, enfin pas il sort mais il se décolle au niveau du talon. Du coup je me suis dit bon bah pour les, j'ai pris des sabots, je vais prendre du 38 comme ça en mode ce sera la bonne taille. Et au final, bah non, c'est trop petit. Dans mon pied, il sortait. Donc, faut que j'aille envoyer le colis pour le poser. Je sais pas encore où, mais faut que j'aille le déposer. Du coup, je vous montre la paire. Du coup, j'ai pris ces petits sabots là, tout mignons. Je suis trop contente. Ils existent en plein de couleurs. J'ai toujours voulu avoir des sabots. Et en plus, là, je trouve que c'est grave mignon. Genre la petite forme et tout. Je crois qu'elles existent en marron. Il y a genre des couleurs aussi. Genre, j'ai grave hésité à prendre. Il y en avait une, je crois, c'est vert. Et genre, t'as la semelle, genre rose. Enfin, bref, trop stylé. Ok, en fait, c'est ça. Genre, en fait, ils ont pas de demi-taille. 38, c'était vraiment petit. Genre, mon pied, il sortait de la chaussure. Là, 39, bah, genre en mode. Je flotte un peu dedans, j'ai l'impression. Genre vraiment il y a une énorme différence entre 38 et 39. Et genre moi je pense que je suis vraiment entre les deux. 38 et 39 elle est énorme. Et genre en fait 38 elle est trop bien. Genre quand je mets mon pied dedans genre c'est bien parce que c'est étroit et moi j'ai le pied fin. Donc mon pied il est bien maintenu, mais juste en mode mon pied il dépasse un peu derrière. Genre il sort un peu là. Mais genre 38-39 mon pied il flotte dedans. Donc c'est un peu compliqué de... Genre je sais pas si vous pouvez voir, là mon pied il est grave bien maintenu, alors que là genre ça flotte un peu, mais genre là mon pied dans celle-ci il sort complètement, genre c'est pas du tout agréable. Et dans celle-là, bah genre il est bien mais... Ah là du coup j'ai un peu perdu en fait.
Faudrait peut-être que j'aille resserrer mes lunettes parce qu'elles font que tomber sur mon nez. Aller poster mes colis. Ah oui, il faut que je m'épile les aisselles. Donc je vais faire un petit TikTok épilation. J'aimerais bien commencer à monter un peu ma prochaine vidéo YouTube parce que ce mois-ci, je suis censée prendre de l'avant. Et à 18h, event pour d'une marque qui s'appelle Yonka. Et genre, c'est de la skincare à partir de CBD. Donc trop hâte de voir. Je vais me poser vite sur mon lit, finir de répondre à mes mails et après, je vais me doucher. Mais hier, du coup, c'était mon anniversaire. Mon papa, il m'a fait des fleurs. Elles sont trop belles.